Tous et à toutes, c'est Manon Choucator. Je vous retrouve aujourd'hui dans le 15e Vlogmas. Et oui, déjà dans 9 jours, c'est Noël. C'est un petit peu déprimant. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est déprimant. Bon, allez, moi j'ai envie de faire mes calendriers de l'Avent, donc je blablaterai avec vous après cela. Bon, ce sera pas avec mon ordi, avec mon appareil photo, parce qu'il a plus de batterie. Donc du coup, Maya, elle a eu un petit os. Hé! Ah si! Ah si, la pâte, la pâte, la pâte, la pâte, la pâte, oui, c'est bien. Donc un petit os rouge, elle a eu celui-ci dans le multifit et celui-ci dans le Trixie, voilà, je lui donnerai après. Moi dans le, je suis désolée, putain. J'avais une belle voix depuis ce matin et... Donc dans le Nocibé, j'ai eu un gel douche du couvent des Minimes. Et ce que je savais pas, c'est que c'était une marque de l'Occitane. Arrête! Ah si. T'es belle. J'attends. Je savais pas, c'était une marque de... Donc d'Occitane en Provence. Et donc, c'est fabriqué en France et tout. Et ils sont trop bons, ils sont les agrumes, je trouve. Après chez W7 on a eu ça. Ah mais oui, je sais comment je vais faire les swatchs. Je vous ferai les swatchs après. Je vous montrerai les swatchs après. Donc c'est un gloss comme ça. Mais sauf que à mon avis s'il est aussi collant que l'autre, bah je le mettrai pas. Mais je suis pas sûre que Marine le mettra non plus. Là on a un galet. Donc c'était W7. Ça c'est chez bah, Nocibé. Ah bah alors c'était pas Nocibé avant, c'était Marionneau, excusez-moi. Chez Nocibé, j'ai eu un galet effervescent, la cerise amande, comme la petite. Crème pour les mains, et ils sont trop bons. Chez Sephora, on a eu un petit tuto, là, je sais pas quoi, hop, poubelle. Chez Ciaté, aujourd'hui, on a eu la lime à ongles. Bah, il fallait la voir à un moment donné, et elle est trop jolie, regardez. Elle est pas trop belle. Donc voilà. On sait qu'il y a une lime à ongles tous les ans hein, chez Ciaté, donc bah, faut la voir à un moment donné. Dans le truc là, le clair, je sais pas quoi, et ben exactement la même barrette que la dernière fois, mais en or ce coup-ci, enfin couleur or. On a eu un crayon Cajole de chez le gros The Body Shop, un eyeliner Cajole plutôt, et un pinceau chez le petit The Body Shop. Et je vais tout de suite vous faire les swatchs et vous déballer le pinceau pour voir comment il est. Voilà ce que ça donne. Alors le crayon il est super noir et puis le gloss, voilà, il est une petite partie, la partie en haut c'est parce que je vérifiais qu'il collait et en effet il colle. Et puis bah, le pinceau il est comme ça. Voilà, il est bien. C'est pour la paupière, il est très très bien. Voilà. Donc super. Petite ouverture cool. En fait, genre j'aime tout. Bon, ça forcément je vais le donner à la Marine, mais c'est bien quand même, vous voyez. Sauf ça là, parce que franchement c'est froid, vous foutez de ma gueule. Puis bah, ça je suis un peu déçue aussi, parce que bah, c'est pas des nouveaux accessoires, mais bon en même temps c'est un truc, j'ai payé genre 6 euros le truc. Donc ça va, je peux pas trop leur en demander. Voilà. Je peux plus en demander à un Sephora qui en vaut 40 quoi. Sephora, are you serious? Enfin voilà. T'es triste? Maya, t'es triste? Pauvre bébé. C'est dur la vie de bébé chien. Hein? Oh là là, le malheur. Oh le mal. Non, tu montes pas. Tu descends. Descends. T'es bien, mon cœur. T'es belle. Et t'es belle. Allez. Je vous laisse. Il est 13h48. Je vais aller tourner ma vidéo Woofbox en espérant que... Attendez. J'essaye de prendre du souffle. En espérant que la luminosité soit assez forte. J'ai un doute. Mais bon, on va essayer. Parce qu'à un moment donné, il va falloir que je la tourne. Parce que j'aimerais bien, comme je vous l'avais dit, emmener les trucs que j'ai pas besoin à un refuge. Et puis, bah, pour leur emmener, bah, faut bien que je tourne la vidéo, quoi. Voilà. La vidéo est dans la boîte. L'assiette aussi. Voilà, je vais manger. Je devais attendre mon chéri, mais là, clairement, j'ai trop faim. Donc tant pis, je mange. Donc la luminosité a l'air bien a priori sur l'appareil, donc on verra, j'espère. Et voilà, et j'ai eu de la chance parce que mon appareil photo, dès que j'ai dit bye bye, il s'est éteint parce que plus de batterie.
J'ai eu de la chance. J'ai bien fait de pas tourner les swatchs, enfin les produits ce matin avec. Voilà. Voilà. Bon, allez, je vais manger. Bon, j'ai fini de manger. Et je vais faire les box de Noël pour mes chouchous d'amour. Du coup, Maya, je vais lui en faire deux. Je vais en faire une pour Noël. Une pour le 15, comme je vous l'avais dit. Voilà. Voilà. Je vous retrouve après. Je vous dirai qui a quoi, où, etc. Ouf. Allez, je vous retrouve après. Je vais vous montrer, j'ai mis quoi à qui et ce que j'ai pour le refuge aussi. Alors, pour June, donc il y a sa canne à pêche rose là. Ah, je vais le mettre là pour l'instant. Et à l'intérieur, on a donc les petites friandises là. Ça, la petite souris là, les petites friandises là et la petite baballe là. Voilà, donc ça c'est pour June. Hop. Pour Kiri, bah, il a sa petite canne à pêche bleue. Bon, honnêtement, à mon avis, ils ne font pas la différence laquelle est à qui, hein. Et donc, il a quoi ce petit chat d'amour? Hop. Il a la petite souris là, les petites baballes comme ça, la petite balle là, les petits liquides snake et les petites friandises anti-poule de poil. Ça évitera qu'il retombe malade. Voilà. Hop. Mon petit chat. Et en fait, Maya, du coup, elle avait un nombre pair de jouets et nombre pair de friandises. Donc, du coup, bah, je lui ai fait deux boîtes. En fait, je voulais vous montrer, mais tout compte fait, je vais pas vous montrer. Parce que d'une, ça va faire encore un spoiler à Cécile. Et de deux, vous n'auriez aucun intérêt à aller voir ma vidéo Wolfbox. Donc, du coup, je ne vous montre pas. Voilà, vous savez pour les chats. Tac. Et du coup, pour le refuge. Maya, tu touches pas. Hein. Pour le refuge. J'ai ça, j'ai deux boîtes comme ça, la deuxième elle est dans le placard. J'ai les croquettes là, les croquettes là et les croquettes là. Parce que moi mes chiens, mes chats ne s'en serviront pas. Avant celle-là je m'en servais comme friandise. Mais bon, elle a une tonne de friandises, juste tout ce que j'ai acheté à Animal Expo et les box qu'elle reçoit et tout et tout et tout. Puis on n'arrête pas de lui en acheter. Donc autant que ça serve à des petits chiens qui eux n'ont pas à manger, font pas à manger. Qui galère à avoir à manger autant que ça sert. Voilà. Donc c'est tout. 15h37, j'ai retrouvé mon chéri. Oui. Voilà, ça va faire une petite heure qu'il est rentré à la maison. Là, on part donc faire les derniers cadeaux de Noël. Voilà, il en reste trois à faire. Trois à faire et enfin quatre à faire en tout, mais il y en a un, c'est une carte cadeau. Elle se fera la dernière minute, je pense. Enfin, je verrai comment on fait. Voilà. Et c'est tout. Il est 16h42. On sort de chez Stoco. On a acheté un des cadeaux qui nous manquait. On a acheté aussi ça. Enfin, c'est surtout moi là. Ça. Mais franchement, ça vaut pas ce que j'ai connu dans mon enfance là avec le petit IC et tout. On a acheté plein de trucs comme ça. Enfin là il manque un sachet en fait. Parce qu'ils étaient à 1 euro. Et ça coûte v'là la blinde ces trucs-là. Donc là, trop contente. Par contre, tu vois, là c'est la taille normale. Et les autres que j'ai eu dans la box, là, ils sont 15 fois plus gros. Hein. Donc voilà. Je pense, ouais. Il n'y a que 15 sachets. Mais du coup, t'as moins l'impression de te faire arnaquer. Hein. J'ai acheté, enfin on m'a acheté un secret de tout seul. Parce que ça c'est la vie, hein? Ça va être pour moi ça. Donc la graine de tournesol, ouais. T'aimes bien ça aussi? Oui. Bon, encore des sacs à crottes. C'est pour Maya, c'est pas pour nous. Ouais bah oui. Si c'est quand Luc il fait caca dans la rue là. Mon chéri s'est acheté ça. Ouais. C'est pas bon ça. Pas bien. Et puis bah le cadeau qui est derrière. Mais que vous verrez pas, c'est deux tasses en fait. J'ai pas trouvé ce que je voulais donc bah, j'ai pris des tasses. Voilà, je voulais trouver un petit ensemble, la tasse avec le thé et le petit truc pour faire un fusil thé, j'ai pas trouvé. Donc ça m'a saoulé. Et vu que je les vois dans 2 jours, bah
J'ai pris que les tasses. Voilà, hein. Ça fait super longtemps, ça va faire plus d'un mois que je cherche, je trouve pas. À un moment donné. Là, tu vas voir que tout à l'heure on va trouver. C'est sûr ça. Non mais ça c'est sûr de toute façon. Voilà. C'est tout, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est l'intention qui compte, on dit toujours. Hein, voilà. Et bah là on va chez McDo. Et I'm so sorry. Hein. C'est pas de ma faute, c'est lui qui m'a emmené, hein. Oh la menteuse, c'est le cas. Est-ce que j'ai dit on va manger McDo? Non, t'as dit. Ah, j'aurais dû aller chez McDo. Voilà. Oui. Mais après, est-ce que je t'ai dit on va chez McDo? Non, le message était clair. C'est-à-dire, tu peux m'emmener chez McDo, s'il te plaît? Non, mais parce que j'ai mangé un petit truc là, mais. En fait, quand j'étais petite, ouais, ça me calait, là, ça me calait. Rien du tout, ouais. J'ai trop faim. Faut vraiment manger. En même temps, j'ai partiel là. Faut que je me concentre. J'ai bien plus faim et tout. Quoi? Faites pas genre, hein. Faites pareil. Bon, allez, on y va. C'est parti. Il est 20h10, je vais finir ce vlog ici pour pouvoir le monter. Donc je vous fais des gros bisous, je vous remercie d'avoir regardé ce vlog et je vous dis à demain dans un prochain vlog. Bye bye!